mardi 11 août. Alors j'ai eu des petits soucis de recharge portable. Ma batterie s'est complètement déchargée cette nuit. Et en plus, mon chargeur solaire ne charge pas aussi vite que je l'espérais. Ce qui fait qu'il est complètement à plat aussi. Du coup, je me suis arrêté dans un café et j'ai rechargé toutes les batteries. Même les miennes. Et hop, il y a un endroit, il y a un, hop, d'accord, une petite route qui, ouais, qui plonge et puis c'est, ça se continue, d'accord, etc., etc. Merci. Vous tournez à votre gauche et on retrouve toujours ce chemin, sauf que vous montrez la route de la charité. D'accord. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Prenez pas en photo, c'est un monument historique de Varginha. Voilà, depuis tout à l'heure, je cherche une boulangerie. Et ben voilà ce que je cherchais. Bonne chose pour pouvoir manger ce soir. Ça y est, c'est reparti. J'ai fait toutes mes provisions. J'ai acheté du saucisson. Dans une boulangerie en centre-ville, j'ai acheté du pain. Et pour ce midi, j'ai même acheté des feuilletés aux chèvres. Super repas. Il n'y a plus qu'à aller faire le plein d'eau. Et c'est bon. La charité, 35 km. C'est bon. Dans une heure, j'y suis. Une heure et trois jours. Oh, il y a une petite côte qui m'attend là-bas. La Nièvre, vers pays des eaux vives. Là, je manque de jambes. Il va falloir que je m'arrête bientôt et que je mange un petit peu. Ah oui, là, j'ai failli me tromper. Heureusement qu'il y a la marque, là. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'indications. C'est un peu le souci. Ça peut être que par là, de toute façon. C'est par là. Et c'est même là que je vais faire ma pause casse-croûte. Ah, c'est vraiment dommage. C'est beaucoup trop tôt pour s'installer là. Mais c'était idéal. Bon, pas grave, on va positiver. On va se dire que je vais trouver mieux tout à l'heure. Beaucoup mieux même. Alors ça, c'est pas une portion de route très sympa. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais en plein canyon comme ça. Faites la tête. Promis, je le dirai plus. Moi aussi, je pourrais faire la tête. Mais je la fais pas, j'ai le sourire. En fait, c'est parce qu'il y a le caméraman que je souris. Sinon, je pleure sans arrêt. C'est agréable comme paysage. C'est légèrement vallonné, c'est bien. Alors, par contre, sur la route, le bitume... Les pèlerins, ils auraient pu choisir un autre chemin. Ah, ça se demandait s'ils m'ont pas entendu.
ce soir, je crois que je vais dormir dans un gîte. J'en ai repéré un dans le prochain village. Après 4 jours de marche sous la canicule, de me rafraîchir, prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Parce que les lingettes, ça va 5 minutes. Alors l'avantage de ne pas se laver, quand on fait du bivouac, c'est que les animaux nous sentent de loin. Et comme les animaux, ils ont peur de l'homme, ils viennent pas trop tourner autour de la tente. Ou alors ils passent, mais ils s'arrêtent pas. L'inconvénient, c'est que quand on croise une pèlerine, elle ne s'arrête pas non plus. Pas de chance, hein, là-bas c'est complet et derrière moi c'est complet aussi. Par contre, j'ai quand même pu prendre une douche et ça c'est le principal. On m'a même indiqué un endroit pour pouvoir poser ma tente cette nuit. Bon, on va aller voir ça. C'est mignon tout plein ça. Oh là là. Et voilà le travail. Là, je devrais être bien. Hein. Je vais quand même aller voir cette petite église. Celle qui va me réveiller demain matin. Alors, il est pas bien ce petit coin là? Oh, c'est pas une chambre d'hôte, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais à la nuit tombante, quand je regarde le ciel, j'ai plutôt l'impression de me retrouver dans un hôtel aux 1001 étoiles. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain.